Bonjour tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire les mnémoniques, bien comment sortir la tablette des mnémoniques et modifier les noms des entrées et des sorties. Donc on va continuer sur le programme qu'on a fait la dernière fois, comme d'habitude, en entendant les schématiques, CPU, programme. Donc il y a trois manières de le faire, d'accord? On peut entrer directement ici dans les mnémoniques. Voilà. Ou bien de cliquer deux fois ici. Vous cliquez deux fois dans les rectangles, hein. Vous cliquez deux fois, donc le tableau sortira comme ça. Après, on peut éditer, écrire des commentaires. Par exemple, là, si le mot, par exemple, le A. On va dire que c'est le moteur. Celle-là, c'est le point. D'accord? On peut tirer ici par exemple le moteur de chariot, par exemple. Par exemple, pareil. Pareil, marche. Voilà, par exemple. Voici les commentaires off, on, moteur. Voici le moteur, ça c'est le maintien. Voilà. Et ainsi on peut faire sortir la fenêtre de table de mnémonique par ici. Table de mnémonique adresseuse a été modifiée. Ok. Voilà. Nous avons aussi le moteur. On peut. Réfléchir par exemple, j'ai parmi les commentaires. Voilà. Le grand enregistré. Voilà. Off, on, moteur, moteur. Voilà, c'est comme ça qu'on modifie les. Donc il y a dans la manière de le faire. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Après, c'est très important de faire chaque entrée ou chaque sortie un nom. Sinon, après avoir fait, bon, après, de réaliser un grand projet. Et par exemple, je peux vous montrer ici un exemple d'un projet. Vous allez voir qu'il y a vraiment des centaines de mnémoniques. Voilà par exemple, là c'est un projet déjà réalisé. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment plusieurs, des centaines de mnémoniques. Voici par exemple, là c'est une sortie, 0.0 booléen, regarde par exemple, regarde mon relais, ça, il faut qu'il y ait un commentaire et un nom pour chaque entrée, pour chaque sortie. Voilà, c'est le début. Bloc de données, ça c'est les entrées, vous pouvez voir qu'il y a des centaines d'entrées, d'accord? Voilà, le FP, bloc de fonction, et voilà. Voilà, merci, à la prochaine.